à 14h35, l'heure choisie pour une passation de pouvoir sans cérémonie ni protocole. Le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, raccompagnait sur le perron Pierre Mauroy, dont il avait tenu à faire l'éloge la veille. Cette courte formalité avait été précédée par un déjeuner en tête-à-tête qui a duré 2 heures. Les deux hommes se sont longuement serré la main devant la garde républicaine qui avait mis sabre au clair pour la circonstance. On assistait donc au premier pas du gouvernement Fabius. Une surprise pour l'ensemble des Français, une confirmation pour le nouveau Premier ministre.